Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'entends Michael, mais je ressens l'archange Michael. Donc, ça n'est pas destiné à Michael, mais l'archange qui est présent. On va parler ici d'une femme aux cheveux foncés. J'entends Lisa. Une femme pour moi qui a des enfants. Des problèmes de dos, on me montre la tête également et les jambes. J'ai cette idée de léthargie et de problèmes aux pieds également. J'entends aussi ce mot saboter. On insiste aussi sur le fait que quelque chose a été, j'entends, rompu. Par rapport à des choses qui ont été données, on me montre le mot Fatima. On me dit que la guidance est très précise. On me dit un cas précis. Donc ne parlera pas à tout le monde. Première carte, j'entends je suis désolée. On me montre encore le pied de la personne. Alors, j'avais cette idée de décès. En voyant la première carte du paquet, et j'entends au royaume des cieux. Je vous montre la carte. J'allais vous dire que cette personne n'était pas en paix et j'ai un bruit qui a retenti sur la porte d'entrée. Et la carte du dessus, c'est celle-ci. J'entends aussi ce mot rentrer. Voyez, de quelqu'un qui est rentré mais qu'on a forcé à revenir. J'ai l'impression que les agissements de cette personne était malsain. Je vous remontre encore la carte. On insiste sur la bête qui emprisonne, vous voyez, des oiseaux. Et pour moi, il y a quelque chose ici qui s'est stoppé net. Ben là, la carte est tombée avec force. Peut-être un arrêt brutal. Mais j'ai cette idée de maladie, vous voyez, de comment dire, de symptômes qui étaient déjà présents depuis un moment. J'entends également ce mot arrêt, possiblement un arrêt cardiaque. En tout cas, quelque chose a été brisé ici. Et on insiste sur une babiole ou quelque chose qui serait tombée et qui aurait libéré quelque chose. Possiblement une entité, j'entends figée. La carte. La deuxième. Et la dernière. Pour moi, on a trouvé la clé. J'entends un remède. Et ici, c'est une femme noire qui a trouvé le remède. À un problème de cœur
ou de main, j'ai envie de dire. J'entends les deux. Pour moi, quelqu'un qui a une clairvoyance. Et on insiste sur un chapeau blanc et j'entends relié au astral. Et pour moi, cette personne était emprisonnée. La carte du dessus. J'entends par cette femme. Et pour moi, il y a quelque chose qui a été coupé hein, ici, là. J'entends, ne s'y attendez pas. Alors là, on me montre des personnes stupéfaites. Ou dans l'inquiétude. Pour moi, c'est lié à un rituel d'amour. Je ne sais pas ce que cette personne a fait, mais il y a une séparation qui a été causée. J'entends par les énergies de cette personne, mais aussi par tout ce qui était autour de la personne, des énergies. Vous voyez les crabes? Regardez, tout à l'heure, vous voyez que cette carte et en dessous, il y a ça. Alors, je vois des personnes doublement horrifiées. Un bruit. D'autres qui regardent. D'autres qui regardent, mais qui attendent de voir. Ou sceptiques, j'en sais rien. On insiste encore sur quelqu'un qui est choqué. J'entends ce mot décédé. On me montre quand même des yeux très noirs et on insiste sur le diable. On insiste également sur une araignée, j'entends, au pied. Pour moi, une femme ici qui vivait en demi-teinte. Et on insiste sur un pinceau de maquillage. Pour moi, cette personne n'était pas équilibrée, j'entends, sur le plan émotionnel. J'entends que c'était bien gardé. Alors, je ne sais pas pourquoi on insiste sur un enfant ou un bébé. La carte. Alors là, j'entends le surnom, mais je ne peux pas le donner. La carte. Pour moi, cette personne avait du mal à se déplacer. Vous voyez, j'ai des problèmes, j'entends au bas-ventre, mais aussi dans la région, j'entends dorsale. Mais tout ce qui est lié aux jambes, aux pieds, au déplacement. Et possiblement, vous voyez qu'il y avait des rondeurs au niveau de cette zone. La carte du dessus. On me fait comprendre que cette personne dort, vous voyez qu'elle a fermé les yeux. Je ressens qu'il y avait un appât pour le matériel, j'entends également le financier, et que cet appât-là l'a emprisonné. Cette personne s'est emprisonnée toute seule. Et on insiste sur l'aspect étoile, ciel. La carte. Je ressens des personnes qui peuvent être dans l'accusation ou le jugement, ou qui peuvent rendre une autre personne responsable de la situation de cette personne.
Sauf que la personne ici avait des liens toxiques avec elle et des entités du bas astral. Vous voyez la carte du diable. Et pour moi, cette personne ne travaillait pas assez sur ses énergies, en profondeur. Vous voyez, j'ai cette idée de choses faites en surface. Pour moi, c'est quelqu'un qui devait changer de peau, mais j'entends que ça n'a pas été fait. On me montre que cette personne était très portée sur les affaires. Vous voyez, on me montre quelqu'un avec un caisson ou un sac et qui est très portée sur le business. J'entends le matériel, le clinquant, la possession matérielle, les biens. Peut-être également des plats en conserve, j'entends en boîte également. Et on insiste, vous voyez, sur l'aspect un peu photo, un bruit. Photo vintage, vous voyez, de quelqu'un disparu. Mais il est ressorti un homme ici, je ne sais pas pourquoi. Peut-être un mari ou une figure masculine dans l'entourage de cette personne. Et on me dit qu'on a terminé. J'entends le mot chagrin. On me dit qu'on a terminé pour la guidance, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos.